Bonjour à tous, c'est Dacour. C'est un plaisir de vous retrouver. Oh, on n'a pas dormi, c'est pour ça qu'on est gaze. Ah, tu gifles ? Ouais, mais on n'entend pas. Vas-y. Salut tout le monde, c'est... Salut tout le monde, c'est Paul Etat. On se... Wow, les gars, on se retrouve aujourd'hui à la baie des Champs avec un frère libérable. Libéré, libéré. On libérait pas. Ouais, ça va ou quoi, mon pote? Tranquille. Tranquille, on se retrouve aujourd'hui pourquoi? Pas pour jouer au golf, hein. Petite célébration. Je veux dire, on t'a pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour des célébrations qui ont marqué. Qui ont marqué le foot. Qui ont marqué le foot. Ou des célébrations un peu drôles aussi. Ouais, parce que. Non, mais vraiment, qui va la faire, là, celle du goal? Par contre, juste petit truc, hein, Dacour là, c'était pas prévu, mais il m'a dit qu'il courait plus vite que moi. Mais ouais, les gars, sincèrement, vous pensez qui court plus vite que qui? Mais la réponse, elle va être claire, on va faire un. C'est combien? 100 mètres? 50. Tu vois. Ah, tu veux faire 100? Tu vois Christophe Lemaitre? Tu veux faire 100? Tu vois Christophe Lemaitre? Tu vois Usain Bolt? Non, mais tu vois Christophe Lemaitre, c'est le bolos du Usain Bolt. Bon, j'avoue que là, c'est plus moi qui ressemble à Christophe Lemaitre. Mais tu vas voir sur le rinté, c'est qui va prouver. A tout de suite pour le 100 mètres. On nous voit pas? Je te jure. On nous voit pas? Non. Bon bah les gars, dites en commentaire, vous pensez qui a gagné? Et dans la prochaine vidéo, on vous dit qui a gagné. Bon les gars, des célébrations qui nous ont marqué. On va commencer. D'accord, y'a pas des célébrations qui t'ont marqué là récemment? Ah, celle de Patrice Evra, elle était grave drôle. C'est vrai, insolent. Duharig. Il m'a dit, il faut que quand même tu t'occupes de Duharig. Il travaille avec toi. De qui? Duharig. Tu sais c'est qui, je veux pas. Il travaille avec toi, Duharig. Faut pas dire son vrai nom, Duharig. Oh non, il faisait des pompes claquées. Hein. Oh là, c'est bon, bah, c'était claqué. Et tu rigoles. Oh, j'ai trop mal fait. Pense que la demi-finale de Ligue des Champions est un beau résultat. Maintenant, il faut aller dormir car demain, il y a contrôle de mathématiques. Une célébration périlleuse, hein. Ouais. Vas-y. En un coup. Vas-y. Pierre, feuille, ciseaux. Bon courage. Le village, il est dur. Hein. C'est pas facile. C'est comme ça? Je crois. Putain, mais c'est ça. Pourquoi on veut pas? Zidane, enculé! Parti, la panique! Est-ce qu'elle est dedans? Oh, c'était ça? Elle est pas dedans! Oui, elle est dedans! Oh là là! Oui, elle est dedans! Bon bah les gars, on a essayé, mais Zidane, ça reste Zidane! Hein. Je me souviens! Non, mais si. Je me souviens! Qui se souvient de Lyon PSG? Un match sans enjeu, et pourtant. Mais qu'est-ce qui se passe, Alexandre Lacazette? Qu'est-ce qui se passe? On a battu le PSG, champion de France. Mais vous êtes revenu à 32 points. Quand même le PSG. Nous sommes à l'Euro 2012 et Super Mario va marcher sur l'Allemagne. Hein. Et Buffon, Mario, Super Mario, Super Mario, Mario, goal, goal. Pancrate, avec Pauletta. Ah, c'est à peu près ça, faut juste la mettre. Pauletta qui est bien démarqué maintenant, Pancrate l'a vu. Face à Frédéric Déhu, Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois! Face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro Miguel Pauletta! Une célébration aussi, elle est super drôle. Vous voyez le gardien du Congo là? Qui saute sur les fesses. N'en dis pas plus. Lui il fait des tours sur lui-même, ce chien. Ensemble, on y va, hey.
Mais on peut faire quoi d'autre comme célébration là? Parce qu'on n'a pas fait beaucoup. Hein. Ah, j'avoue, il avait été insolent ce jour-là. Hein. Putain, il a fait taire tout le Camp Nou. Putain, c'est grave. C'est laquelle la plus insolente? Messi ou Ronaldo? Messi, c'est dur quand parce même. Parce que Messi. Oh, c'est dur. Il a inspiré beaucoup de petits. C'est, hein. C'est dur. est-ce que si un mec comme Cécignon l'avait fait, ça aurait eu autant d'impact? Mais c'est Cécignon. Techniquement? Non, si, techniquement, Cécignon. Il a brisé les reins d'un joueur du Sporting. Hein. Quand même une carrière longue comme le bras. Il a été partout. Et Cécignon! Oh, Leandro Grimi, il s'est fait mal tout seul! Il s'est fait mal tout seul, complètement. Là, ça s'appelle se faire enrhumer dans le jargon. Et là, vous avez vu, Cécignon sur trois passements de jambes. Il a donné torticolis. Regardez Grimi. Allez, hop, c'est limite fait une entorse. Si ça vous a plu, vraiment, si vous voulez d'autres vidéos, 20 000 likes. 20 000, au moins 20 000. Sinon, on va essayer de reproduire. Voilà, on reproduit d'autres célébrations. Et mettez en commentaire les célébrations que vous voulez qu'on réalise. Me dis même pas d'ab de Pogba, parce que sinon, je coupe la vidéo. Vas-y. Bref, salut Dacour, merci à toi d'avoir été présent. Et puis 20 000 likes, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Pétez ça. À bientôt pour la prochaine vidéo. Peace. C'est bon. Comme jamais, je suis dans le texte. Je suis dans le texte. Je suis dans le texte.